Bonsoir à tous, très heureux de vous accueillir pour cette belle soirée de football, enfin belle soirée façon de parler, car on nous annonce de la pluie dans les minutes qui viennent. Remarquez, on ne dirait pas en regardant les tribunes, car les supporters sont venus très nombreux, j'en profite pour les saluer, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ils sont toujours là pour soutenir leur équipe, et l'ambiance qu'ils y mettent fait partie intégrante du football, alors merci et chapeau à eux. Juste un qualificatif pour ce stade, magnifique. Le KV Courtrai qui a donc opté pour une défense à 3 et un milieu renforcé. C'est le système un peu à la mode, ou plutôt il revient à la mode parce qu'il ne date pas d'hier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit beaucoup d'équipes jouer en contre. Et ce système est redoutable pour ça. On a deux attaquants soutenus par trois milieux de terrain et deux joueurs excentrés qui font les pistons. Ça peut être très efficace, il suffit d'avoir des jambes. Et c'est parti! Bien, la profondeur. Ouais, c'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Genk qui cherche l'étincelle. Cette attaque n'a pas pu se développer. Il cherche la profondeur. Le gros dégagement. Genk adopte une tactique bien connue là. Ah oui, dites-nous tout, Darren. Ils essaient d'écarter le jeu au maximum et d'utiliser toute la largeur du terrain. Ça va créer des espaces, Greg. Faute, oui, faute et coup franc à venir. Il y a peut-être un coup à jouer. Centre. Oh, il a complètement manqué son dégagement. C'est reparti, ils peuvent contrer dans la profondeur. Le bon ballon. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Et c'est une bonne situation sur l'aile gauche. Le bon dribble. Attention, il tire. Oh, quel geste sans réussite. On le sent en pleine confiance. Il n'a pas hésité à tenter ce geste pourtant difficile. Derrick. Le KV Courtrai qui, si j'ai bien noté, n'a pas encore cadré dans cette rencontre. Le ballon dans la profondeur. Bonne interception, il y avait danger. Il joue sur sa gauche. Ça bouge, côté gauche. Attention à ce centre. Genk, disons-le tout net, Tulette, cible l'arrière-gauche. C'est presque systématique. Ils ont quand même un sacré client sur l'aile. Après, je sais pas, c'est peut-être une tactique brillante pour ouvrir des brèches de l'autre côté. Ça manque de précision, dommage. Il voit sa passe interceptée. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Et se fait pardonner. Cette possession un peu stérile.
dans la profondeur, bien vu. Il récupère le ballon. La passe dans la profondeur. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Oui, il va falloir dire que ça manquait de précision aussi. Il est passé. Oh, il y a danger. Dans la surface. Encore une passe mal assurée. Il faut être plus précis. Passe interceptée. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Le KV Courtrai qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. Il faut vraiment avoir le moral pour jouer attaquant dans cette équipe. Pas une seule frappe dans les 45 premières minutes. C'est du jamais vu. C'est donc sur ce score de 0-0 qu'on va se quitter un instant. Mais on se retrouve tout de suite. Le temps de finir votre analyse, le jeu a déjà repris. Le KV Courtrai peut s'estimer heureux de ne pas compter un ou deux buts de retard. Ils n'ont pas vu le jour en première période. Le KV Courtrai qui essaye de construire. La passe est précise. Faute. Il a centré, et la tête. Oh, quel coup de tête, mais ce n'est pas cadré. Et aucune des deux équipes n'est encore parvenue à faire la différence. Il tire. Il allonge le jeu. Il y a peut-être un coup à jouer. De la tête. Oh, elle me dit quelque chose, cette occasion. Attention, ce n'est pas le premier centre qui arrive dans la surface. Il va falloir qu'il règle ce problème. C'est joué long, c'est dangereux. C'est joué long. Le ballon en profondeur. Dommage, c'est trop puissant. Il décide d'allonger le jeu. La faute. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. Le bon dégagement. Il s'impose physiquement dans ce duel. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, c'est bien fait. Ils obtiennent un coup franc. Et il prend donc un carton jaune. Le gardien loin devant. Il relance côté droit. C'est joué dans l'espace. Il a du champ sur le côté. Il
tente le centre. Le coup de sifflet, ce sera une faute. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. Un peu d'air pour la défense. C'est récupéré. Non, ça manque d'application. Dans la surface. Un peu d'oxygène, mais ça va revenir. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. Ça joue bien, c'est joué dans la profondeur. Il tire. Et c'est surtout un but qui peut être synonyme de victoire. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. Genk qui effectue donc un nouveau changement. Et c'est par surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va lui faire du bien. 1-0, on est reparti. Et tout le crédit le revient, mais attention à ne pas gâcher ce but d'avance. On nous annonçait la pluie, la voici. Il n'a pas hésité à tacler. Faut que ça va partir vite. La longue passe, ça pourrait être dangereux. Allez, c'est dangereux! Superbe combinaison, ces deux joueurs se trouvent les yeux fermés. Genk qui procède à un autre changement. Et voilà, ils font rentrer le tour de contrôle. Ils vont essayer d'utiliser sa taille, bien sûr, pour tuer le match. Ouais, ils ont certainement assuré la victoire avec ce but. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. L'arbitre assistant qui annonce, oui, 5 minutes de plus à jouer. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. C'est joué long, attention. Dans la profondeur. Il ne se pose pas de questions. C'est joué long. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Pris au piège du hors-jeu. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Victoire méritée, pas grand chose à dire, si ce n'est que c'était vraiment un grand spectacle de la première à la dernière seconde. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre. Ils ont encore démontré que le chemin le plus court pour marquer, c'est de passer dans l'axe. Eh oui, mais bon, encore faut-il avoir les joueurs pour le faire. Voilà Darren, cette soirée est terminée et merci de l'avoir vécu à nos côtés. À très bientôt, salut. C'est toujours un bonheur.